c'est très concret tout ça. Et c'est finalement, nous avons les mêmes soucis tous. Mais oui. Pour moi, l'argent, depuis qu'on est passé à l'euro, c'est un sujet tabou. Je pense un peu pour tout le monde. Parce qu'on déjà on ne se retrouve pas. Avec les dettes et tout ça, bon, c'est vrai que maintenant, il faut faire attention. Et voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros sujet tabou, ça, il faut le relever et en parler. Pour essayer de trouver des questions et des solutions à ça. En fait, l'important, c'est de bien comprendre où on en est de son argent, pour pouvoir bien le gérer et avoir une belle visibilité de ce qui se passe, quoi. Savoir ce qu'on a, ce qu'on peut dépenser, ce qu'on ne peut pas. Et ça, c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup l'esprit. Mais oui, en tant qu'handicapé, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Voilà. Si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Et puis là, bon, on est à l'euro. Et il faut faire attention à tout. Et c'est vrai que c'est difficile quand on veut quelque chose. Des fois, il faut faire des satisfactions. Des fois, on se serre la ceinture. Et des fois, quand on peut, on peut. Quand on peut pas, on peut pas. Bon. C'est vrai que, voilà. C'est pas évident pour tout le monde. Merci, Joseph. Oui, c'est faire quelque chose qu'on aurait. D'accord. Serge, tu voulais rajouter ? Ah non, je crois que ça. Je te voyais t'approcher. On aurait bien compris que les prix ont augmenté avec l'euro. Voilà, ouais. Et tous les amis qui doivent sont pas là ce matin, ils travaillent. Donc ils seront là cet après-midi et ils vous en parleront aussi. Voilà. Je pense que ce sera un sujet qu'il faudra relever. Voilà. Donc bonne soirée à tout le monde et merci.